Mettez-le là, mettez-le au côté pour voir. Oui. Il semble cocaïne, nous racontons sur le cocaïne. Il y a 9 mm de au sol, 3 radios de communication. Et on a regardé aisance, monsieur, pour assassiner jeunes, ça. Communication entre eux, blague, tout ça. Les os, moi, la tête, les sorties, bon, médecin, a plus dit nous allier. L'obtain des commentaires, n'est-ce pas, est-ce qu'on a mangé la durée. Alors, par contre, d'un point de vue sociologique, par contre, qui est-ce qui pique grand sous table, par contre, c'est Major Bassien, alors, c'est ça, ou bien Colonel Rébu. Donc, m'en vais demander, est-ce que, par contre, est-ce que nous t'es. Est-ce que. Alors. Donc. Colonel Rébu. Colonel Rébu. On salue Colonel Rébu. Ces derniers temps, monsieur, pas respecté le rang. Ma contact est passé. Le monsieur dit, m'en route. M'en senti son monde qui n'a espace fermé. M'en dit, m'en route. Colonel Rébu, on salue. Merci parce qu'on répond à l'invitation dans le moment vérité. Par contre, on a besoin de petit temps pour respirer. Hein? Bon, merci, Peggy, pour l'invitation. N'a pas salué France, n'a pas salué toute équipe là, et très certainement Père Panel Zorgue Mater. Et puis n'a pas salué tout le monde qui a écouté nous tant en Haïti qu'à l'étranger. Je pense que nous allons passer un bon moment ensemble. Alors, c'est ça. Et alors, m'tap dit que le n'a pas gardé pourrissement situation, le n'a pas gardé vidéo ça, c'est pas des gens qui contentent de font crime, c'est des gens qui non seulement font crime, mais assurent que.
yo partager la société. Ma konnen peut-être ces sociologues yo pour nous inviter pour aider nous comprendre phénomène ça. Est-ce que dans l'histoire, est-ce que nous alors il y a monde qui dit que en plein 21e siècle, c'est pratiquement un comportement cannibale, etc. Alors colonel Rebu me connaît quand même ou gain une certaine compréhension de la sociologie pour me pas une compréhension certaine qui lecture par rapport à phénomène en lui-même et si on prend cas d'espèce ça même qui fait la une de l'actualité sur les réseaux sociaux. Bon, on va pour nous songer toute société. Bonjour tout le monde, ça va regarder là son barricade. Yon barricade que nous voyons tout côté en Haïti. Yon barricade que nous habituons à Port-au-Prince, yon barricade que nous à Jacmel, yon barricade que nous à Gonaïve, yon barricade qui a barricadé PIA, qui a barricadé éducation, qui a barricadé tout système PIA, qui a barricadé commerce. Ça n'a pas gardé là, c'est une barricade. Chaque jour dans le pays d'Haïti, barricade de tous côtés. Barricade à gauche, barricade à droite. Ou pas qu'à prendre qui leur pour sortir, ou pas qu'à prendre qui leur pour entrer. Qui est-ce qui derrière tout mouvement de perturbation ça yo? Mouvement de perturbation ça yo, pas de rien pour yon pas de faire valer Petro-Caribe. Parce que mouvement de perturbation ça yo, pas de rien pour yon avec Petro-Caribe. Mouvement de perturbation ça yo, de pour avec yon série de machines, une série de monde qui coûte éducation, une série de monde qui a goumé pour payer tout le temps dans une situation chaotique. Moi, Jacques Melkounye, moi mon oje tout moun bloqué pa gen monter en haut pa gen descendre en bas de plusieurs côtés dans Jacques Mel Kounian qui commencent à tourner des zones de l'endroit l'on pralé l'Okadi l'on passe pour taille Ogan l'on pralé meilleur des bases qui là que nous connaissons qui financé par des groupes qui là pour faire vagabondage pour empêcher le pays à fonctionner, pour empêcher l'école de marcher, pour empêcher tout système pays à fonctionner. Qui est-ce que vous avez gagné pour mettre le chaos dans le pays? Qui est-ce que vous avez gagné pour faire le monde à l'école? Qui est-ce que vous avez gagné pour écraser le pays? Il y a des gens qui font de l'éducation, pas de l'éducation. Il y a des gens qui ne sont pas consacrés à l'éducation, pas à gourer pour l'éducation. Là, nous considérons que les gens qui sortent de l'école qui rentrent la caille. Des gens qui sortent de travail qui rentrent la caille. Des gens qui ont des taxi-moto avec les gens. C'est la route qui permet de faire brasse pour être capable de monter des sons, pour prendre des clients, pour prendre des gens de point. Tout pays a dû paralyser. Si les gens ne sont pas à l'école, comment ça doit fonctionner dans le pays? Est-ce que ce mouvement Petro-Caribe ça a fonctionné? Non, ça n'a pas valé. Mais pas mouvement Petro-Caribe. Qui est-ce qui a intérêt pour payer à pas fonctionner? Ça, c'est la question que m'a posé tête. Question que m'a posé tête encore. Pour que ça moun sa yo a fait ça? Le nous gade si bonhomme rouge, qui toujours met chemise rouge, le nous gade comment le palais, si. Là, moi-même, pas peut-être qu'elle t'a parlé. Moi-même, tout le monde rit, c'est crié, me crié, parce que nous avons des messieurs sont leaders. D'après ce que nous venons faire dans le Nord, si les peuples ne souffrent pas, c'est qu'ils ne sont pas hommes. Depuis, on nous parle comme ça. Qui sont cabaye? Qui sont capotés? Et nous connaissons Jacques Mel sous question de Tinato qui d'elle, parce que Tinato a une ambition politique, et Tinato tout capable de faire des gens qui payent, et Dominique, qui payent, c'est-à-dire quoi, pour entrer en Haïti. OEA pour rentrer et c'est Dominique qui prend le responsable tête OEA. Dominique prend le villa pour venir contrôler le pays, villa pour venir occuper le pays. Moun qui travaille pour le pays écrasé, c'est que tête ou travail. Yo dit Haïti a écrasé. Yo dit Haïti a détruit. Yo dit Haïti fini. Toute parole ça y a dit, pays a. C'est pas un monde nié, c'est un monde qui crase le pays, c'est pas un pays qui crase la tête. C'est comportement monde. Nous-mêmes qui prenons 50 gouttes, 100 gouttes, 10 gouttes dans le Sénat, ou bien dans l'autre pour nous faire des autres,
C'est pays à l'apcraser. C'est système éducation que nous mettons à genoux. C'est nous-mêmes qui avons pris sot. C'est Dominique avec l'autre nation qui avons pris nous pour des personnes à non grata parce que tout simplement nous n'avons rien dans la tête. Nous, c'est le premier peuple noir indépendant. Nous, c'est pays qui bat exemple dans le monde entier. Nous, c'est pays qui crée Obama. Nous, c'est pays qui crée Martin Luther King. Nous, c'est pays qui crée tout gros noir dans le monde. Nous, c'est pays qui crée Desmond Tutu. Et nous, c'est pays tout qui crée Gandhi. Parce que sans Haïti, nous ne savons pas d'exister. Je tape des bêtes, je tape des esclaves. Là, nous connaissons une série de apatrides, une série de haïtiens qui portaient noir. Poubelle toile. Yon série de haïtiens qui vont nom yon bay diab pour yon capable mettre pays à genoux pour yon capable faire Haïti paraître sale pour yon dire comme ça, c'est Haïti, c'est comme ça lié. Nous, nous pas comme ça. Nous, c'est le premier pays qui gagne et voie ferrée. Nous, c'est l'un des gros pays qui était la perle des Antilles. Nous, c'est le pays qui était le plus gros exploitation de café. Nous, c'est pays qui est plus gros artisanat actuellement là. Pendant que je parle avec nous là, Jacques Mel, c'est exemple de culture dans le monde. Pour que ça n'a pas crasé pays? Pour que ça n'a pas barricadé pays? Pour que ça n'a pas barricadé mental? Ça n'a pas gardé là. C'est une série de rabots, l'autre chose, zozo, qui sorti pour craser pays. Ça n'a pas gardé là. C'est une série de rabots, l'autre chose, zozo, qui sorti pour mettre éducation à genoux. Ça n'a pas gardé là. Sous série de jeunes qui peuvent penser à Haïti, qui peuvent payer à genoux. Nous, c'est plus gros peuple. Nous n'aurons rien pour ça. Nous prenons l'indépendance nous en tant que noirs, avec zon nous. Il n'y aura rien pour ça. Nous, c'est peuple qui n'a jamais marché des couleurs nous. Il n'y aura rien pour ça. Nous, c'est peuple qui relève tout le monde nègre, côté blanc, côté noir, nous relève nègre. Il n'y aura rien pour ça. Nous, c'est peuple qui a une culture, qui a une religion que personne ne peut mettre à genoux. Il n'y a rien pour ça. Haïtien frère, prends conscience. C'est pays nous lié. On met main en main pour l'éducation qui marche plus bien. On met main en main pour si moun a grand moun à l'école, pour yon kap li nan gwo liv, pour yon kapab changer le système pays. On met main ensemble pour culture, avec culture, avec artisanat noir qui marche plus bien. On met bien ensemble pour nous pas craser, briser institution, pour nous marquer, pour nous battre chalbari derrière tout abolotcho, que le dans le Sénat, que le avocat, que le si avocat, qui a payé pour faire des ordres parce que l'ambition politique, ou pas comme qui est-ce, mais caché derrière eux, que le député, que le politicien, on met bien ensemble pour nous pas quitter au passé. Parce que nous sommes belles nations, nous sommes nations qui ont pile et qui ont belle histoire. On ne peut pas craser ça. On ne peut pas admettre que tout pays a mis nous dehors parce que nous pas bon. Nous sommes une meilleure nation du monde. Haïtien, frère, levez pied nous. Pas continuer comme ça. Parce que pays nous en belle. Haïti belle. Corée pour vivre. Monter, charpenter son série de valeurs. Dès lors que valeurs nous mettent en question et que nous acceptons que nous mettons en question, tout va être. Parce que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la raison. Or, justement, pendant longtemps, nous avons plusieurs années côté, nous remis la raison en question. Nous ne mettons pas des actes que nous posons, nous remettons en question par des bagailles que nous manquons fait ou que nous mal fait. Nous avons une différence qui vient en sortie là, avec un monde qui vivait dans la ville, vivait médecin. Qui arrive un responsable politique et puis qui ouvre bouche pour le dire, pour le conseil du monde, à prendre l'huile pour le mettre sur la chaussée. C'est ce qu'on appelle un acte terroriste. Parce que terroriste là qui ça le fait, il attaque à un groupe monde qui peut-être pas gagné pour le avec question de discuter. Parce que à travers le monde, ça peut le faire mal, la fragiliser l'État lui-même. Assez souvent, il confond l'État avec le monde qui est momentanément en dans espace de gestion cité. Donc, maintenant, l'heure où il y a un monde qui est responsable au pays, et puis là, parle de peur, le bruit, l'idou, comme ça, dit, les outils a senti bon. Les outils a qui s'allient, son caoutchouc prend, ou passe le nom monde, ou met gasoline sous lui, ou met du feu sous lui. Mais si le monde est niveau, ça, capable de dire ça, ou pas capable d'étonner que le monde qui est en dehors de l'instruction,
Et c'est pas au hasard que ou a perturbé notion que l'école là. Yo craser notion que la famille là. L'on attaque la famille, ou attaque les croyances religieuses, ou attaque l'école dans société. Ou craser. Donc dès lors que vous venez, ça vous doit faire face à n'importe quelle situation. Et parce que le moins dernièrement rencontré avec juge là qui t'a interrogé sur dossier bail là. Je dis moi où t'es d'une baille dans la radio Saint-Marc qui a 3 ans et que des autres pages qu'on fait, à te, on ne dit pas qu'aucune structure sociale, souvent des autres a fait en bas, c'est expression, ça a passé en haut. C'est même bien non caille. Souvent, dans la cour de Timoun, il y en a joué maman l'autre, il y a voué wash, il y en a baille l'autre coup. C'est pas Timoun qui vous garde, c'est pour demander qui comportement maman avec papa gain. Donc tout phénomène n'a pas en bas, c'est ça, tête la produit. Par exemple, on obtient un sénateur qui gambé lidou, gon bandi que la police a cherché. C'est une machine ou parlementaire, l'équité zone. Donc est-ce que c'est bandi ça bandi? Est-ce que c'est bandi ça bandi? Est-ce que nous pas dans situation des fois dans chercher un faux bandi et puis vrai bandi à nous chita dans boire du vin avec lui, n'a manger avec lui, etc. Donc là où casser valeur dans société, tout bagage doit arriver. Bien, eh bien, on a le M. George, on a fait un tour de table sur question. Pour nous débrouiller, ça a été, hein, M. George. Merci, Peggy. Bagay, ça qui passe, hein, je suis dans une cité de Dieu, il dérange au plus haut point. Et moi, triste, depuis le jour où je me suis engagé, je me suis engagé de même. Excusez-moi, M. George. Alors, ma demande de production, assurez-le que le micro est correct, parce que je n'ai pas le message, qu'il dit que le micro a un problème. Oui, M. George. Oui, moi nous sommes assez dénoncés beaucoup au point, autant que je m'en passe une minute sans que ça ne va pas dans moi je ne vais pas analyser. Et moi je rends le gouvernement responsable. Je rends le gouvernement responsable parce que je connais que dans la zone Sargon, 15 ans, il n'y a pas passé des instructions formelles à la police, pour désarmer Bandisayo. Imaginez-vous. C'est un petit tuyau fait ça. Gardez pour moi son jeune qui sent défense. Et il y a même un petit mille l'autre, fait back. Je n'ai pas même courage pour réagir, il ne peut pas faire back, c'est la fait affaire. Il désarmé complètement. Moi-même, ça me dit, moi-même, maintenant, j'ai appelé à chef police là, monsieur et Michael. Pour prendre toute responsabilité dans le cadre de cette affaire. Parce que la police pas vive sans service de renseignement. Ainsi que l'armée. Quand le service de renseignement de la police, qui fait que vous attendez, vous êtes en marine avec ça, vous prenez un nom, et demandez qui monde qui remet aux âmes ça et quelque chose à mon nom. Parce que le monde ça qui te aux âmes aussi complice que lui-même qui tue le jeune homme là. Ils sont criminels, ils sont assassins au même titre, au même rang que bon petit voyou ça y est, bon petit criminel ça y est qui tue les petits nègres là. Ben ça, c'est moi qui fait mal, l'homme de balle a fait mal, il fait mal. Est-ce que, on pose cette question pour lui. Est-ce qu'on joue, maman, papa, petit tout, on s'en met où, à passer dans un an, il y a eu un prénom, il y a eu un an, il fait mal encore. Voilà la question. Nul n'est à l'abri. Parce que monsieur est tellement senti confortable dans sa affaire. D'ailleurs, c'est une raison que je suis venu à la matin. Je m'en invite tête moi. Parce que mon bas sous l'estomac moi pour Camille Leblanc. Et mes infos sont sous Camille matin. Parce que Camille campé là dans la joie ou là. Il a parlé de la belle, je me dis, dans la belle, je vais pour venir pour la preuve de la lame. Il me dit, après, pour donner la joie. Il dit, il m'a dit ça. Bon, il dit si ça fait mal, comment vous ne pas faire mal là? Nous pas bien là même non, mais moi j'ai un certificat d'appréciation, président Richard Nixon, quand il y a un peu tout le monde de là, mais bon certificat, ou le président des États-Unis. Et il dit, moi pour service que vous rendez des États-Unis d'Amérique. Il y aurait des femmes même. Et puis pour Camille Blanvin là, bah quand une petite compétition gars avec, bah c'est peut-être Jean-Ricéen, ils ont tout de bien avec Jean-Ri, naturellement plus bien avec Jean-Ri, mais ils ont tout de bien avec Jean-Ri.
Et pour qui ça le théoriste, tout écoute ça. Eh bien bon, vous voyez, le mensonge est sensationnel. On n'appelle pas miracle puis écoutez. Le mensonge est sensationnel. Bon, non, mais moi, je vous position, je vous comprends. Mais ça a des choses sur ma conformité. Non. Maintenant, n'a pas avancé. Et moi, je vais m'en dire, si vous voulez exprimer mon droit de réponse quand même, il faut le faire. Parce que les formes, George. Ah, moi, je vais me garder, puis il faut encore que les gens viennent. Ça va aller trop fort, George. Bon, non, il faut aller fort. Ok. Oui, les gars, nous, j'en conseille des potes. Depuis qu'il date, maintenant, qui le conseille des potes, j'en suis un petit peu fort, oui. Il est déporté mon époque, ça y est. Ah, on a arrêté, on décide de vivre dans le pays. Ah, non, 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 c'est malheureux. C'est malheureux, ça. Alors, nous-mêmes, qui ça nous dit? Je vais aimer que ça refait encore. Et que, monsieur, que chef de l'islam, qui a été attendu nous là, je crois que il n'y a pas qu'à aller les mémoires, ainsi que le ministre de la Justice, mais Maître Ali, pour y dépêchez-vous, désarmez monsieur Sayo, arrêtez-vous et questionnez-vous sous provenance Zam Sayo pour être capable, n'est-ce pas, sécuriser son affaire, mon Dieu, nos zones à vivre à l'aise et en paix. Bon, en tout cas, nous sommes d'accord que la situation est difficile. Je vais prendre un exemple, mon capsule de Carrefour, mon ange de traverser Matisse, c'est un nom du PLF. Il n'y a pas une certitude que la pour retourner la KLI en raison de monter le climat d'insécurité. Hein. Bon, Major Bastien, et comme citoyen, on a une observation, pourquoi le militaire, non, le citoyen, on a une observation par rapport à la réalité. Hein. Bon, M. Oui. Guijan, tout pour nous vidéo, c'est vraiment choquant et révoltant. Et on regarde des gens qui font des actions sur les jeunes, capables d'assassiner les jeunes garçons. Donc moi, c'est passé, l'État n'est pas en disposition pour finir avec ça. Or, monsieur, non seulement je me sens à l'aise, peut-être dans la vidéo, mais puis c'est la guerre sur les réseaux sociaux. Or, facilement, on a récupéré, identifié pour arrêter. Parce que l'épargne, ça arrive de loin. Bon, peut-être que vous avez un message. Alors, ça me tape, c'est que est-ce que nous sommes déjà arrivés dans le niveau bas comme ça? Je vais regarder comment vous assassinez le jeune homme, non? Contentement, vous blague à faire sous question. Hein? En fait, nous, c'est un coup, nous, c'est cannibale pratiquement. Oui, mais c'est choquant pour une société. Quand on connaît comme ça. Bon, à l'époque, dans le passé, pas de gain. Bon, on est avec les réseaux sociaux, la technologie, on a utilisé à deux. À des faits négatifs. Pour ne pas filmer ça, pour la ils filment même. Et puis, vous, j'en ai déjà par contre, bien fait. Peut-être c'est ça qui est arrivé chez nous. Pour ne pas l'aise, pour ça, pour faire bagaille. Mais est-ce que. Excusez-moi. Jeune, ça, son métier est tout zit, mais même. Côté, je vais nous dire. Eh bien, c'est ça que je vais dire. Est-ce qu'on ne peut pas aborder des dossiers en aval? D'où viennent ces hommes? Comment on a pu procéder pour les alimenter? Parce que je me toujours dit ça, il y a un arme à feu qui pas de munitions, c'est un poisson bout de bâton. C'est un courant bâton. Bien sûr, absolument, ça ne peut plus donner la mort. Maintenant, est-ce que, au niveau de l'État, par exemple, on peut une fonction de la douane, fonction de protection, de sécurité, de taxation, pas qu'on est. En tout cas, est-ce que c'est pas l'État à travers la douane qui faillit à mission de contrôle de sécurité, qui fait que Zamsa yo ka rentré. Et maintenant, qui est-ce qui commande yo? Comment yo fait arriver dans le même monde? C'est un ensemble de questions pour nous analyser. Si nous étions seulement un petit jeune qui prend, qui fait ça le faire avec là, et peut-être on n'est pas privé, Livin facile. Mais quand même, bah, on est sur réaction sur ça, mais je ne porte parole, Major? Oui. Bon, vous parlez avec la douane, c'est pour me dire que effritement déliqué sans autorité de l'État, ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça date de 86? 86, exactement. Depuis 86, ils ont ouvert port pour verser au commerce extérieur. Quand il y a Zamande, on a raconté que mon ouvert sac duré, sac duré, il vient de Zamande. Quand il y a là, avec des gens qui parlent d'accord avec samedi, autorité de l'État commence. Prêté depuis 86. Quand il y a les larmes qui viennent de mettre le 94, bon, c'est le carnaval, c'est le chaos. Faut-il nous pas contrôler? Zamande, on continue au passé. C'est dans les ports et les frontières terrestres. À l'aéroport, il est plus difficile parce que vous ne pouvez pas mettre vos amis. Ils ont M16, ils ont A-47, ils ont Valise. Justement, nous. Ils sont déjà font contrôle de l'Égypte. Exactement, nous avons Miami pour tenter vers l'Haïti. Ils passent dans les ports et sous frontières.
nos frontières ne sont pas contrôlées. Mes problèmes. Moi, je vous dis, c'est comme si, ou bon caille, ou belle caille, pour bâtir une rue qui vient poussière, qui pile fatale devant. Ouais, mais caille a toujours sale, même si personnel a nettoyé chaque jour, parce que machine passée, poussière levée, vent retour pour maladie, tout est sacré d'Haïti qu'on y a là. Donc, est-ce que c'est pas absence d'une politique publique? Parce que son politique publique qui pose une question. Hein? Pour le bail résultat, c'est pas une politique publique au plus haut niveau de l'État. En fait, nous avons fait tout le temps, n'a parlé de questions sérieuses, etc. Ensuite, les acteurs, faut qu'ils responsabilisent tête yo. Parfois, ils ont des âmes, c'est autorité qui baille aux âmes. Parfois, ils ont des hommes politiques qui viennent baille aux âmes, etc. Donc, c'est un problème qui est très complexe. Alors, on a joint porte-parole, Premier ministre, non? Et Pascal Adrien, nous autres, au niveau du gouvernement, avec qui état d'esprit que nous avons vidéo ça et quelle est la position officielle du chef du gouvernement par rapport à cette question? C'est un acte déshumanisant que certainement chef gouvernement condamné avec la dernière rigueur. Cependant, moins bien content niveau de dimension d'analyse structurelle que colonel Rebu au tout début ensemble avec vous et l'autre intervenant est placé débat. Gagne deux approches à considérer dans la question complexe. Gagne approche coercitive là que un peu de monde qui l'a fait allusion à lui. Ça veut dire gagne des monde dans une zone qui a commis des écarts par rapport à la loi, et bien que force de l'audio réprimée, réprimée avec la dernière rigueur, j'ai l'habitude de dire là. Cependant, côté intéressant pour touche sociologique, pour porter dans le débat, jeunes aïeux qui avec des mitraillettes dans le mur, c'est pas l'ancienne mitraillette, ils sont sortis. Non, je pense à tout, mais ils ont gagné des conditions matérielles d'existence que nous tous qui la connaissons, des conditions socio-économiques qui liées à une certaine précarité. Autrement dit, yo, ah, c'est des bandits. Non, attendez, c'est deux bagages. C'est son rapport dialectique. D'une part, c'est à réprimer, renforcer mécanismes de jeu institutionnel à travers notamment la police, la justice et autres. Mais sur le plan préventif. Mais structurellement, sur le plan préventif, l'important pour que nous gardions avec qui type de société que nous en avons fait et qui politique publique a implémenté au niveau de l'État, de telle sorte que précarité socio-économique qui mettait Mounzaïo ou encore qui exposait Mounzaïo à tout ensemble de dérives qui liées au gangstérisme, si nous gardions comme ça, et bien nous éviter. Absolument, sur le plan ça, nous sommes colonialistes et butés font approche. Donc, c'est pour moi que colonialistes et butés font approche pour montrer que, d'un point de vue sociologique, donc Mounzaïo vient plus retrouver. Parce que gang, ils ont saisi un camion du riz, ils ont entré, ils ont partagé. De point de vue sociologique, citoyens, zones A, presque sentent-ils plus proches, bandits, que l'État, qui est pratiquement inexistant. Ça, question en profondeur, qui m'a dit que processus de remembrement à l'État à travers renforcement institutionnel. Donc, continuer à gagner un effort qui a fait en ce sens. Politique publique, notamment dans ce qui est pour eux, avec sphère sociale, sphère économique. Là. Donc, ils ont implémenté en bonne et en due forme pour réduire l'écart qui gagne entre eux. Il y a deux extrêmes, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont trop, il y a des gens qui ne gagnent même la trier. Donc nous sommes d'accord que c'est un trop entre possédants et société. Et non, et Zach est bien content, justement, Zach est bien content, le colonel Rebu au départ est fait allusion à une crise sociétale. Donc il y a différents agents socialisateurs, eux-mêmes en crise. Donc il n'y a pas étonnant que un ensemble de valeurs qui t'a supposé socialiser nous, rendre nous compte de lumière rouge par rapport aux normes, par rapport à ce qui est permis, ce qui est défendu. Donc tout le bagage, ils ont une véritable déliquescence, ils ont une véritable processus d'effritement. Maintenant, de manière claire et précise, l'important pour aborder des questions dans double dimension. Une dimension ponctuelle, à travers la répression, à travers la coercition, la police a envahi, n'a arrêté moun pour n'arrêter, n'a mettre moun dans prison et la trier. Mais si problème de fond, yo, parallèlement, ou pas fonger fort pour manier, eh bien, quelque part, la vie met suit la tête. Ça veut dire qu'il faut rendre moun yo impopulaire dans son yo. Faut rendre bandi yo impopulaire dans son yo. À travers la présence de l'État qui a entré dans une dynamique d'apaisement social d'abord, quitte à ce que des politiques en profondeur qui vient implémenter pour que moun yo senti véritablement l'État est bel et bien présent. Et à ce moment, yo pral doté de capital culturel, yo pral doté de capital socio-économique, ça va permettre que moins vulnérable par rapport à. Mais c'est triste, oui, que l'État. Ça veut dire que Mounio, pendant de longues années, il était dans la privation totale, violation du droit, droit au logement, droit à l'éducation, droit à la santé. Et je dis, c'est pour le matin, insécurité qui fait nous elle nécessaire que nous jouions Mounio sous forme de service. Vous parlez de quoi? De l'intervention de l'État que vous parlez sur le plan de la prévention. Donc, river joindre Mounio pour tes services bio. Je ne vous suis pas parce que, écoutez, au tout début, de qui ça nous parlait? Tout panéliste qui est là, on analyse en profondeur.
un, nécessité que l'État intervienne ponctuellement, notamment à travers la PNH. Mais deux, écoutez, nous pas qu'à faire économie, donc analyse en profondeur qui dit une vulnérabilité socio-économique criante qui méritait aujourd'hui encore que il y a des mesures qui prennent. Oui, mais ça a été fait depuis longtemps. Mais certainement. L'autre, ça a été fait depuis longtemps. Ou retourne en 1804, ou passer dans l'année 1900, ou venir en l'an 2000. Mais n'empêche que, c'est pas parce que vous avez un bon loyer qu'on pas capable de jouer. Lorsque c'est vous-même qui a assuré les commandes. Au contraire, vous avez rendu justice. À mon que justice est due, des responsabilités que tu mérité assumer depuis la nuit des temps, ou même ou un jour pour que vous délivrez marchandises là. Donc rien de cohérent là-dedans, au contraire, c'est quelque chose à encourager. C'est ça. Alors, Major Bassi, vous voulez dire deux mots sur approche porte-parole là? Oui, exactement. Donc, et même tu es surtout parler sur le premier co-animateur émission, monsieur qui est là. Monsieur Marcel Joseph. Comme tu as su, monsieur, pendant que j'avais interdit, je suis dans la radio, je suis dans la machine. Monsieur dit qu'on crise sociétale dans le pays. Nous connaissons vraiment l'inégalité sociale. C'est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours un petit groupe qui est immensément riche. Et puis la population, il reste majorité pauvre. Mais côté une réserve avec ça, monsieur dit. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre obligé de bandit. Mais c'est pas ça. Ça fait mal de qui dans la rue. Quand tu travailles dans la sachette de solide, qu'on a un phénomène. Quand tu as dit qu'il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Écoute, quoi que le phénomène, quand on a un travail à Caillou, qui fait 3 mois, après sortir un petit commerce. Donc on n'est pas d'accord parce qu'on est pauvre obligé de bandit. Donc vous qui fait choix pour le bandit, l'État là pour sanctionner. Et si c'est parce que le pauvre qui fait le bandit. Par contre, peut-être que l'approche là est multidimensionnelle, c'est un bon aspect comme ça. Mais parce que en fait, Moun Saatou, le fait un coup de coule. T'as dit, ah, j'abandonne. Et on va retourner à la vie normale. Si c'était ça, sa principale motivation. Oui. Le même aspect, je dis non, selon l'étude que j'ai faite à l'université, je montre que selon la disposition que nous avons au monde, nous avons une prédisposition pour criminel. Oui, bon, oui, en criminologie. Oui, ça me fait faire comprendre. Moun, on m'a fait 120 000, 2 millions. La bandit quand même. Les criminels nés. Regardez, c'est neutraliser lui avec dernier rigueur ou bien. Parce qu'aux États-Unis, c'est que nous allons bien. Son pays démocratisé. Moi, je viens là dernier, me fait combien de temps dans la même commune. Et là, je me fais pratiquement toute étude. Combien de temps on fait aux États-Unis? Pratiquement 11 ans. Ah, okay. Maintenant, je fais une compagnie de bagaille. Il y a des gens aux États-Unis qui ont des activités à mener. Au moment où ils vont au tribunal, ils vont au GFS, etc. Pas mal comme ça, mon cher. Eh bien, après, ils vont mettre une valise et ils vont pas ajouter le besoin de crapper le point. Ni vu, ni connu. Bye-bye, ça a eu de façon réglée. Alors, bon, en tout cas, et maître Johnson, vous voulez résoudre de façon profonde, structurelle, pérenne. Et gagner ensemble de l'autre aspect obligé de tenir compte de vous. Bon, c'est ça. Mais faut mettre George dit non, ça qui passe. Est-ce que, maître George, est-ce que ça qui passe? Est-ce que vous révoquez dans le palais? Est-ce que vous retournez? Est-ce que vous parlez l'eau? Il faut payer à qu'on est. Sinon, ça président dit, toujours conseillé. Mais arrêtez à rapporter, mais George. Moi, tout, c'est comme ça, président Ding, moi, toujours, conseiller, c'est ça, me tout. Ah bon, t'avais toujours touché chaque mois. Bon, mon cher, est-ce qu'on va toucher au même sens? Ok, ok. Comment on va toucher ici? Moi, si t'es président, je suis président qui Ding, mais conseiller. Non, je vais me toucher 80 000 gouttes. Non, me toucher plus. Merci, merci. Oui, Major Bassi, alors, son question fondamentale que n'a pas abordé. Parce que image, par exemple, si on a un monde qui a regardé l'image à l'avers ou qui pose aux questions, on a bien du mal pour expliquer. Ou bien sûr. On a bien du mal pour expliquer un monde choquant, ans, c'est regardé, hein. Oui, c'est ça. Et Pégui Japon. Alors, le mot retourne à Pascal Adrien, quand même, il est. C'est quand même. Tu es l'autorité autour de la table. Ça veut dire, et yo même yo dans la société civile, il a critiqué. Mais concrètement, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour nous sortir dans la situation ça. Et c'est ce message que la population attend de vous, autorité. Le renforcement continu de capacité d'intervention police nationale d'Haïti. Et deuxièmement, comme nous dit question lui-même, les complexes, les mérités que nous abordons dans double dimension au moins, la dimension de la coercition, moi parle de lui, à travers la police nationale, mais nous pas jamais qu'à faire à travers l'appareil répressif de l'État, globalement, mais nous pas jamais qu'à faire économie de nécessité pour que parallèlement nous inscrivions d'abord nos dynamiques d'apaisement socio-économique, parce que indicateurs socio-économiques yo rétif, quel que soit courir à gauche à droite, yo implacable, yo là, yo ça y est. Donc l'important, l'on aborder en question de criminalité ou aborder de manière holistique
criminalité a lui-même li pas un aspect qu'on regarder de manière isolée. Faut regarder en rapport avec toute dynamique société a à travers différents autres variables socio-économiques qui là yo. Maintenant l'on fin analyser variables ça yo ou comprendre acuité problème là, ou dit pas gain problème. Conformément à ça, des mondes qui forment dans l'armée, la police, il y a le major qui est là, qui est là, il y a le colonel Ribu qui est là, dimension répressive là lui-même, certainement, pour se poser tenu compte de lui, mais il n'y a pas que ça. Au-delà de la dimension répressive, faut-il bien que l'État lui-même lui fait le maximum de chiffres possible pour que, en termes d'apaisement, il fait œuvre qui vaille. Alors, colonel Ribu, avant de venir à Dr. Noël, et d'après vous-même, qui ça qui expliquait réticence citoyenne dans la zone Sahel pour collaborer avec l'autorité? Parfois autorité arrivée et puis citoyen pas bail information qui éventuellement te ka abouti à capture moun y a cherché. Assez souvent il mouvement que ça en pile en Haïti, nous travaillons sur épiphénomène yo. Ça veut dire que sur ça qui paraît devant nous en choqué nous. Nous pas prend temps aller dans profondeur question. Là prend un pays. On a parlé de sécurité. Quel premier facteur considéré en matière de sécurité, c'est capacité d'identification que l'État a gagné. Identifier citoyen? Identification. Ça veut dire que qui est-ce qui boit. Ça veut dire que l'État connaît que citoyen, ça existait. Il y a une traçabilité sous lui. Et ensuite, citoyen, ça a été un côté. Premier problème, nous avons aussi genre de désorganisation géospatiale. Ça veut dire que nous avons perdu le contrôle gens habitants localisés sur le territoire. Ville est éclatée dans le même. Ça veut dire que si vous dites ou besoin de tel citoyen, il faut d'abord connaître dans qui zone, dans qui rue. Ou pas d'adresse pour personne. Moi, je Delma, moi, je décide de m'arrêter Carrefour. Personne ne connaît l'autorité. Pour les gens qui ne connaissent pas citoyen. Par exemple, on va aux citoyens une pièce d'identité. Conseil de monde qui vient dans la tête de l'État, qui connaît si y a un cadre d'identification nationale, je dis, faut faire un genre pour que les gens le connaissent, parce que les gens savent qu'ils utilisent ça pour aller à l'élection. C'est vraiment triste. Cela veut dire que nous prostituer le concept d'identification du citoyen, genre pour l'État normal. Ouais, ouais, ouais. Ça passe, nous. Et tout le monde m'entendait, par exemple, m'entendait à plusieurs reprises, appelle le monde dans le gouvernement, dit, que la situation de misère, il faut qu'on fasse des programmes d'apaisement. Cela veut dire quoi? Faire un programme rapide qui permet un petit corps privé dans la poche monde qui est plus bas. Oui, mais on va pas passer toute vie à faire ça. Ça, nous même nous poser. Mais conjoncturellement, on va faire. Pour qu'on assure de survie. C'est ça, nous. Conjoncture après nous. Et pour nous, occupez-nous de conjoncture seulement. Voilà pourquoi, colonel, il faut les deux. C'est-à-dire, conjoncturellement, on gagne une approche, certainement. Mais structurellement tout, l'important voilà. En amont. Mais même si ça depuis combien de temps? C'est les deux. Essayez de faire expérience par exemple. Vous m'entendez, n'a pas réveillé à nous un budget de 106 milliards au lieu de 160, etc. Imaginez que vous mettez 25 millions de gouttes chaque 3 mois dans chaque commune intérieure pays. Cela veut dire que les gens qui sont magistrats, les gens qui sont communes, ils ont une certaine autonomie pour mener des activités économiques dans la zone. On a constaté un pile reflux de population vers ces points-là. Ça veut dire que nous concentrons tout le bagage sur le côté. Donc tout le monde vient concentrer dans le point que nous courons à côté de Gomba, là, c'est la gauche lumière, le gain. C'est là qu'on va nous tirer de l'eau, le gain. C'est là qu'on va nous manger, c'est là qu'on va faire des bouillardises, c'est là qu'on va voler, parce que c'est là que le monde qui gonti quoi va marcher. Donc il vient pour travailler, il vient pour essayer de voler dans la poche de Gigé. Donc on fait une hyper concentration. C'est comme dans la salle, nous là, nous chita là tranquillement, nous sommes. Mais imaginez que tu as mis 50 000 là. D'ailleurs, vous avez 50 000 là, vous avez un problème pour gérer, qui va gagner pour assaut de ville faire là, comme vous avez joué, vous avez joué pour plein chaleur, vous avez joué pour se dire ça. Oui, les gens qui parlent de toilettes communes, qui besoin de même toilette en même temps. Il y a un bagaille qu'on peut gérer, qui ce sont des vrais faux bagailles. Ils voulaient parce que vous avez joué, ils ont faux parce que conséquence, son premier acte qu'on fait à ville, mais non à ça. Donc, tant que nous parlons de tout le pays, la globalité, administrative. Li. N'a toujours continué à parler de même magayou. Maintenant, sur la question spécifique du banditisme, la sécurité ne s'assure pas a posteriori.
Dès lors que vous venez après à la posée, vous êtes défaillant déjà. Je dis, les citoyens ont dormi la caillou. Qui quantité de nègres qui a patrouillé chaque quartier? Qui quantité de nègres qui a accepté qui connaît? Pour citoyens endormis, ils même sont obligés pas dormir. Ils élève qui a fait de 8h du soir à minuit. On le fait de minuit à 4h du matin. On le fait de 4h du matin jusqu'à 8h du matin. Qui quantité de monde qui dans ça? Qui capacité gagne le bagage pour arriver dans la zone pour l'État qui est en connaît avant? Le temps que nous avons des actes posés, pour nous venir après, nous avons des gens qui ont posé des actes, ils ont la liberté de penser, ils ont le droit de poser des actes. Parce que après, nous sommes responsables, c'est plein, nous plein de radio. Par exemple, il n'y a pas l'affaire de ZAM. Ma joie t'a dit ça. Nous ne pouvons pas produire ZAM ici. Mais le bas, ils ont dit, on est qui n'a cité soleil, qui n'a petit bois, ou pistolet. Non, bon. Posez une question, qui contacte nèg sa gagné? Pour le cap comme qui ça pour le faire? Pour ta commander un pistolet à l'étranger côté au faire côté au venir. La réponse c'est non. Donc c'est pas monsieur problème non. Maintenant là monsieur finit le pistolet, il y a cartouche tout temps la tirer. Mes amis mais. Et en pile fois au pot cartouche à Bali dans bastion. Bonjour, faut cartouche là t'as fini. Donc c'est pas monsieur qui problème non. Mais quand la rébus c'est là oui. Son aspect fondamental quelque part que problème là, bon, d'une profondeur telle que nous obligeons à aller plus loin. Mais parce qu'on nous garde des l'autre bagaille, nous ne sommes pas capables de dire tout. Il y a des moments bien spécifiques dans le pays, ça. Côté que vous avez l'impression qu'on bouton pesé. Et il y a beaucoup de sens de s'en décabrer. Il y a une question qu'il y a au fonctionnement de la sociologie primaire. Justement, mais moi, je dis important. Derrière tout ça, en filigrane, qui s'accroche dans l'abdou, il y a des gens bien déterminés. Qui détenteurs dont certains pouvoirs d'argent ou encore qui ont certaines influences politiques qui gagnent intérêt que par personne interposée ou manipuler certains monde pour créer une certaine destination. C'est responsabilité de l'État. Non, mais attendez, si vous permettez, allez-y. Le banditisme, c'est un état mental. Même les gars qui font ça, c'est le même cerveau qui est avec les balcatouches là. C'est exactement même cette voix. Sauf que monsieur lui-même connaît faut le cacher. Il permet de faire ça là dans la rue. Parce que la police sont les gars chefs de base. C'est les gars qui ne disent pas problème. Donc lui-même lui trouve un duty. Il trouve un travail. Parce que c'est ça choisi comme métier. Par exemple, bon, là, nous avons trouvé une conviction en Haïti. C'est un vagabond qui malheur dans la rue qui a fait kidnapping. Alors que les gars qui passent qui fait nous, les gars qui ont fait kidnapping dans la rue sont petits secrétaires liés. C'est même genre. Ou gros pays ou organisé, premier bagaille, non, sécurité au pays organisé par cette concentrique, c'est périphérie d'abord. Qui n'est pas gagné, qui n'a consulat, qui n'a ambassade à l'étranger, qui mieux, qui travaille à faire. C'est par exemple ou l'État ou là, ou responsable, gré ou carison, zam, cartouche, cap embarqué, mettez nos camions, cap saute Miami pour venir en Haïti. On va parler de l'OCC Maclan peut-être. On va parler de l'OCC Maclan parce qu'on va guider la justice. Concerné, donc on va parler de ça publiquement. Mais si on a une capacité pour connaître depuis le bah, la embarqué, mais pour connaître. Faut admettre que le groupe pour faire l'enseignement l'État, on va connaître son groupe pour aller manger. Parle de l'enseignement. Parle de l'enseignement. Faut venir à l'enseignement. Parle de l'enseignement. Nous sommes le 18 novembre. Après cérémonie qui était faite dans Mupana, il y en a premier côté que le Premier ministre a été visité, c'est le centre de renseignement et d'opération, CROA. Et c'était une énième visite pour que l'IGADE, de manière concrète, qui gens qui sont en renseignement, ou à parler de l'IA, lui-même, est capable de renforcer, est capable d'effectif. Dans le cadre même dimension d'homme d'État qu'on a parlé là, il y a des questions de sécurité publique que ni moi ni vous connaissez. Ou pas capable en homme d'État, on bonjour, prend micro, je parle de conférence, je passe ou pas dire mais qui ont organisé renseignement. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, vous-même là, comme moun qui était dans l'armée, je dis à ou du lieu du citoyen qui analyse, ou va venir là et puis un ensemble d'analyses très pertinentes qu'on a fait. Même ma bosse comme garantie. Le secrétaire d'État à la sécurité publique côté. Je ne peux pas mentir, même pendant qu'on agit concrètement pour renforcer les bagailles, on a
a toujours prendre le soin pour pas forcément venir là pour avoir exactement justement. C'est juste pour me dire, colonel, il y a une pile de ni moi-même, ni Bassé. Malgré où est la radio. Mais il y a une pile de bagaille de millions de bagailles. Exactement. Nous n'avons pas le droit parler de eux parce que nous relevons de sécurité intérieure, l'État, de sécurité publique, donc gagner des réserves. Mais garantie comme Gabay, pendant une seconde seulement, c'est que, effectivement, c'est des questions qui a adressé avec un sens de responsabilité, tout pendant que il y a des réserves qui sont supposées prendre pour ne pas mettre votre l'État dans la rue. Bon, maintenant, Gomba est un bon abus de la parole que nous faisons de notre beaucoup, ah oui, c'est docteur. Maintenant, moi-même, Gomba, je n'ai plus gros malheur privé à Haïti. Et honnêtement, beaucoup, oui, qui j'ai corrigé par ça, et moi-même, j'ai été confronté à la réalité. Il y a un concept qui a pris le monde qui est autorité de l'État et de monde qui est les partisans. Son programme de boué. Prends mon nom, mettez fort venu bailler pour Bali, mettez n'importe côté. Et puis qu'on y a le droit pour le faire, système ne fonctionne pas capable parce que mon nom n'a pas de place. Li. Yo prend n'importe qui moun, parce que faut que yo baille mon nom au travail. Yo boué n'importe côté, donc mon nom a un moyen de subsistance. Mon pas de problème, c'est le monde qui peut mettre mon nom quand même. Mais mettez mon nom en place, côté li capable, utile, institution capable, utile l'État. Ma fille, vous me faites. Et ce n'est pas extrêmement difficile, je vous dis. Par exemple, là, on a parlé de renseignement. Bon, nous ne parlons pas de parler de contre-renseignement, de contre-intelligence. Bon, nous ne parlons pas de niveau ça. Parce que nous ne parlons pas de défendre pour nous arriver dans la partie ça dans la science là. Même t'es confronté à une réalité qui manque de faire passer pour important, pour incapable. Mm. Imaginez un ministre des Sports, imaginez un bail simple qui m'a fait depuis près de 34 ans. Nous ne pouvons pas faire un programme Haïti Réveil Santé. Nous pouvons mettre des speakers sur des places publiques, coordonner avec la police, généralement place publique. C'est pas Haïti, non? Toujours dans l'église. C'est en Haïti, mais pourtant, il y a 38 ans. Oui, avec les prêtres ou bien pasteurs qui sont dans la zone pour ne pas déranger. Monsieur, de telle sorte que et tous les matins, sur toute place publique, je suis capable de faire sport, moins je suis tout, etc. Son bail simple. C'est une multigénératrice, un ordinateur, un appareil musique, un speaker, des moniteurs. L'homme dit ça en conseil des ministres, ah, son belle idée, bah, comme ça. Je dégage 25 millions de moins pour mettre le programme dans, au niveau expérimental. Jusqu'à présent, non, on ne va pas qui ça. Je fais appeler tous mes directeurs départementaux, je dis ok, voilà tel programme que nous allons faire. Nous avons une liste, nous avons 40 employés, dont environ 20 moniteurs, etc. Nous prenons. Là, je dis, mais nous n'avons pas de moniteur. Nous n'avons pas de moniteur. Mais dis, comme il y a telle liste devant nous, il y a tel nègre qui est employé comme moniteur. Nous, nous ne savons pas qu'on a rien à faire ce point. Quand il y a un cobla même, pour faire travail là, les gens qui n'ont pas de Mmh, pas pas, pas de place, pas connaît ça m'a parlé. C'est même genre. L'homme ou a dirigé ou l'État, si on parle de problèmes de sécurité de défense de l'État, première préoccupation, c'est qu'on est qui qualité moun, qui entraîne nous recevoir, un, l'immigration. Deux, la douane. Parce que toute agression que un pays pour le recevoir, c'est de l'extérieur pour le sortir. À part mouvement interne. Maintenant, on est qui doit c'est pour être gouré, mais c'est mon colonel Rébu, moi avec Dito, il me dit la gueule, monsieur Lamoué. Les gros entraînements pour recevoir. Et un entraînement psychologique parce que son aide qui n'a au milieu de propositions de tentation en continu. Donc, sous pas assuré de qualité, mon ça. Par exemple, bah, qui passe mal par ça dernièrement, ouais, vous venez au point, quand vous brûlez, vous venez 4 douaniers. Alors d'après vous, c'est mon gars, vous venez au point. Alors, plus, ça qui est grave dans la question, c'est que vous passez plusieurs heures et après des secours que vous n'avez pas de l'État. Mais justement, vous parlez de l'État qui est organisé pour la défense des citoyens. Par exemple, tout le bagage en Haïti, vous dites, en matière de sécurité, on dit, police nationale, police nationale, police nationale. Ok. Quelle infrastructure protège la police nationale? Quelle infrastructure? Parce que pour que la police nationale soit capable de faire travail, il y a une infrastructure organisationnelle qui peut protéger le tout. On va dire le dernier bagage pour ne pas qu'il y ait la parole. Parce que je suis dans le docteur. Monsieur le secrétaire d'État de la sécurité publique, je suis dormi là quand même. Une heure du matin, téléphone maison. Encore une fois, il y a un problème dans telle zone, c'est une section communale Saint-Marc. Et on plie à tous qui sont partis là. Ok, on prend le téléphone, on me dit fais vérifier telle information. Et elle vérifie, 40 minutes après, elle dit non, l'information n'est pas correcte, pas qu'aucun bail comme ça dans zone ça. Moi, je tourne l'informateur. Elle dit non, c'est pas tel côté, c'est tel autre côté. Vous connaissez quand je me couche dans la cabane. En moins de 2 heures de temps, je vois une côté qui a touché à tirer.
pas de tout pli à tout cela. C'est le par exemple pour analyser l'information. C'est un policier qui était dans l'hôtel, qui prend le coucher. Il saute dans le service, il prend le coucher, puis il manipule les amis, et pour une cartouche pratique, cartouche après. Donc nous jouons moyen, nous jouons une côté cartouche qui était tirée, nous jouons une qui était tirée, nous jouons une qui est victime, jusqu'à ce que nous fait transporter l'hôpital à la poisson. Mais ce n'est pas quand le diable m'a allé. Pour une nuit, c'est le gars où je volé pour à 1h du matin. Je ne suis pas contre le gars, je ne suis pas contre le gars. Je ne suis pas contre le gars, mais il n'y a pas facile. Allemand est typé à la tête. Donc, cela demande, premièrement, il faut que nous connaissions l'affaire. Il faut qu'on quitte pour l'organiser. L'heure finie, l'heure bon moyen, mais il faut qu'on ait moyen, ce n'est pas pour poche, c'est pour faire un travail qui est supérieur à lui-même. Maintenant, au cap, il y a plus de moyens, vous dire. Au cap, il y a plus de bonne volonté. Et puis, il y a des sens où on bute à la réalité. De un bout, pile bouillage qui fait tout partout. Ou qu'on pile monde qui t'a bien utile dans d'autres domaines. Et puis, dans le domaine qu'on pose utile, on n'est pas capable. Donc, c'est l'État qui est désorganisé, qui est neutralisé. Donc, c'est le premier bagage pour nous, diagnostic ça pour nous faire. Pour nous identifier. Premièrement, nous n'avons pas capable de continuer avec la population distribuée sur le territoire et en distribuée. Bien, permettez-nous de venir, docteur Blondinuel. Pourquoi nous prenons plusieurs déjà? Juste pour nous dire à colonne là, effectivement, exiger plus, exiger mieux son devoir citoyen. Pas gagner à sortir de là. Dans une démocratie, il faut que les citoyens vigilants pour que vous arrangez, pour gouverner, vous faire le maximum d'efforts. Et en démocratie, les autorités sont à l'écoute constante des dirigeants. Exactement. Ça veut dire, il y a un pile question qui. Alors en démocratie, oui. Qui est important, ouais. C'est pas qui. Cependant, il est important tout des fois pour nous prendre recul, pour nous prendre acte que il y a des efforts qui a fait. Par exemple, quand elle rebute ministre jeunesse et sport, il y a un pile effort que le fait. Est-ce que l'effort était suffisamment perçu par des gens qui systématiquement qui gagnent intérêt pour que vous parlez ça qu'a fait? Ça, c'est l'autre question. Mais quelque part par rapport à la question de la sécurité, il y a pile détail qu'on n'est pas capable de yo dans le micro là. Donc il y va de sécurité même territoire national là. Mais il est évident que il y a pile effort qu'a fait, notamment par rapport à renforcement police là et plus spécifiquement par rapport à la question de renseignement. Bien. Merci Pascal. Dans quelques instants, on a une intervention du président de la commission justice et sécurité du Sénat en direct du Chili, Jean-Renal Senatus, qui confirmait que mardi prochain, le CSPN au complet et au niveau du Sénat de la République, faut s'expliquer sur cette recrudescence de l'insécurité dans le pays. Docteur Noël, et comment, bon, vous parlez en expert en sécurité, c'est médecin, mais quand même comme citoyen. J'ai un parti politique. Mais... Oui. Alors, femme, t'es invité au titre de mot sur so gâche, qui s'est gâché et qui s'en a pour mouvoir. Alors, gâche, comme gâche, il y a un peu de monde qui connaît gâche déjà, et nous passons dans le micro ça déjà. Gâche, groupe d'appui juvénile pour le changement d'Haïti, il y a 5 piliers. C'est promotion, c'est intégration de la jeunesse, de la diaspora et de la femme. Et puis, comme deux autres piliers nous gagnons, c'est intégration des handicapés et des groupes minoritaires. Ok. Oui, pour venir pour sous question sécurité, moi, panéliste, nous abordons en pile question, en pile indice. Pas dit parce que vous allez voir plus, ça pas concerne nous. Oh non, tout le monde concerné. Tout le monde concerné. Alors, de nos jours, pays c'est avec la technologie. C'est comme si nous tous nous dépassons. Ils sont plein, oui. Le monde sont plein. Oui, 7 milliards du voisin. Alors, un point que nous n'avons pas abordé, c'est la réinsertion sociale. Et le plus souvent, système carcéral, nous en tout, et Jean l'y fait en Haïti. Les gens sont venus plus parti. Il y a beaucoup dans l'insécurité. Premièrement, détention prolongée. Et nous connaissons un principe en droit qui dit plus les gens font temps dans la prison, c'est moins ou gagne chance pour faire pour réussir réinsertion sociale. Et souvent nous capables que gagne en pile crime qui fait en pile bagarre qui passe dans la société, ce sont des récidivistes. Ou bien mon entrer dans prison comme simple citoyen, fait 10 ans, il est sorti sans profession. Exact. Pendant que le noir pendant 10 ans, tu es sorti comme ministre, etc. Oui. Marché, oui. Etc. Oui. Et il est capable d'accompagner lui. Et non seulement ça, population carcérale là, trop mélangée. Très mélangé. Nous avons un monde qui fait un vol à main armée avec un. Un monde qui fait un crime de sang. Exactement. Bon. Ils ont trouvé une copie de cellule et puis ils ont influencé l'autre et au fur et à mesure. Et maintenant, les autres la sortie, des fois, réinsertion sociale là, bon, ça sont gros questions en Haïti. Et programme réinsertion sociale, ils sont presque inexistants. Pour ne pas dire inexistants même. Donc, pas oublier que les réinsertions sociales là, pas bien faites,
les citoyens ça vivent dans la société, ils viennent gagner des amis. Yon, li gen des moun ke li kapab influencer des petits jeunes kap vini, li kapab influencer. Des fois moun sa li kon bat li vini même yon mentor pour petits jeunes sa yo, hélas. Donc ça c'est yon nan problème yo que nous ka régler tout et que nous capable régler tout et qui capable faire partie de en amont dans un sens pour nous gérer insécurité. Alors l'autre genre gestion faite en amont, majorité parlé de ça et de frontières de c'est pas d'autres pays à frontières. Pas d'autres pays. Oui, que ce soit frontière terrestre ou gagne un bagage qui peut dire toujours que nous qu'on a tant des fois mon a dit. Yo même indexé nous des fois a dit que gagne des moun là au besoin zam dans république voisine. Non. Ils viennent chercher en Haïti. Ils viennent acheter de façon illégale en Haïti pour traverser les frontières ou bien quelque chose. Alors ils indexent nous même dans le sens que nous que insécurité nous hein, censé et représenter un danger pour l'autre pays et pour république voisine. Non, que tout le temps il y a indexé nous. Donc nous mêmes c'est l'État qui vous prend ça en main et pour nous renforcer institution nous et nous parlé de points service renseignement. Mes amis, si l'argent qui détermine pour service de renseignement était bien utilisé, nous avons fait un grand pas dans résoudre le problème. Ça. Mais souvent, ils ont indexé et style gens ont utilisé fonds ça yo, qui n'a pas rien à voir avec service renseignement. Donc, service renseignement, sécurité pas jamais fonctionné sans service renseignement. Et non, c'est partout à travers le monde. C'est même pas une expérience. Pour agir, il faut être informé. Il faut être informé. Qui détient l'information détient le pouvoir. Et souvenez-vous toujours que nous-mêmes, en médecine, nous toujours dit la prévention coûte moins cher que la guérison. Oui, parfait. Exactement. Donc, en sécurité, Jean-Colonel Lassot dit là, il est toujours mieux pour ou guettant sous place avant que ces bandits à lui-même qui. Et il y a l'autre bagage tout et représentant premier ministre dans parlé tout à l'heure les c'est nous pas seulement maintenant tête nous n'a délogé bandia mais de préférence essayer dans programme social lieu chercher réinsertion oui, c'est ça. Parce que même prison il pas doué nous pas doué comme punition mais comme un moyen de correction c'est corriger pour corriger citoyen pour retourner à la vie civile pour le vie normale. Sinon, on fait toute vie ou à traquer. Et puis, problème dans retourner en entier. Major Bastien. Bon, mais Guijan, parlant de population carcérale, nous connaissons Haïti, nous avons sous-population carcérale. En dépit de tout. Oui, en dépit de tout, ça, mon abdi. Autant dire que c'est parce qu'aux pauvres, oubliez voleurs, oubliez bandits. Oui. Parce que le ratio mondial, là, il dit c'est 1000 prisonniers par 100 000 habitants. Aussi, on dit Haïti, on a 11 ou 12 000. 1000 par 100 000 Par 100 000. Ah, ok. Pour chaque 100 000 monde, on a supposé qu'il y ait 1000 monde dans la prison. Or, Haïti, on dit, il y a des gens qui disent 10, il y a 11, il y a 12 millions d'habitants. Donc, admettez le 10. On a supposé qu'il y ait 10 000 monde actuellement dans la prison. On nous parle de ça, parce qu'il y a à peine 5 ou 6 000 que nous gagnons. Ouais, donc, ce n'est pas parce qu'on est pauvre que vous obligez de voler, vous obligez de bandit. Voilà, maintenant, est-ce que tout le monde qui t'a adoré dans la prison, est-ce que vous êtes dans la prison? Ça me bat. Ah, oui, ça, c'est l'autre. C'est ça que tu as fait pour être dans la prison, nous te mettre dans la prison, ça n'a pas couru d'ailleurs dans la rue, pas de couru d'ailleurs. Il y a un monde qui bandit, volait, la source, c'est dans le prisonnier. Et soit c'est pour prendre les armes, j'aimerais la fête qu'on y a. Ou qu'on choisit une autre place. Ou marcher, ou appuyer sur des fois. Ou tout choisir. Ou connaissez l'autre tout en fait dans le cimetière, parce que nos que pays, on ne va pas tolérer pour le monde, on va prouver les armes sous la police. Ça veut dire que vous pouvez affronter la police, ou pour aller dans le cimetière. Point bas. Bon. Alors, qui t'es mal, ouais, porte-parole, premier ministre, non? Moi-même, c'est un coup, c'est Jean-Lisse, c'est un deux femmes là. Vous pas fait ça. Non, il porte la parole au nom du chef du gouvernement. Non, vous ne pas ça. Non, mais c'est ça, les. T'es pas allé, Pascal? Allez-y. Ah, Pascal, c'est lui? Allez-y, c'est ça. Non. J'ai commencé pour oui. Ah, yeah, c'est ça. Ouais, alors, concrètement, qui ça, qui ça gouvernement, et vous dit population pour libal garantie. Par exemple, on nous prend une semaine qui était une grève, là, semaine que grève a été réussie, la grève là toujours pas été réussie, mais la grève d'avant, gouvernement dit qu'on est sorti, éducation nationale dit sorti, on n'est pas sorti. Ça veut dire qu'on a certaines méfiances dans l'autorité. Comment on arrive à travailler pour rétablir confiance population dans l'autorité? Très bien. Alors, bien content que vous faites allusion à grève là. Effectivement, vous rappelez, avant le 18, il y a des messages qui étaient allés dans le sens que 18 là, c'est un véritable apocalypse. Et 18 là sont véritables. Son finalité. Etc. Mais, ou même dans le pays, tout panéliste qui l'a ôté dans le pays,
yo capable de suivre que le 18, te gagne une certaine prise en charge par notamment la police nationale. Mm-hmm. Certes, te gagne des problèmes de part et d'autre, mais globalement, 18 là, certainement, te gagne des monde qui, conformément à garantie constitution en lui-même liba, il t'est exprimé position yo. T'es gagné des griefs, t'es gagné des revendications, soit pour le prince ou dans les villes, le province, ce qui est prévu par la Constitution. Moment. Tout côté t'es gagné violence, eh bien, la police, quelque part, t'es fait tout effort possible et imaginable pour que l'IRIVE rétablisse l'ordre public. Mais après le 18, le fait que quelque part t'es gagné en pile temps que la police là lui-même était en état de veille, en état d'alerte, ouais, pour que l'IRIVE gère 18 là, le 19, gagné quelque part une prise de cours et par rapport à psychose de peur qui est arrivé plus ou moins installé notamment à travers les réseaux sociaux, eh bien après le 18, tu as gagné une certaine grève qui est arrivé manifester plusieurs côtés dans le pays. Non pas parce que tu as une adhésion volontaire. Non, tu as certaines grèves, non? T'as bien, nous, est-ce que moi le fais sortir? Parce que pas oublier, c'est constitution pays qui dit qu'il y a droit de grève. Ça veut dire qu'il y a des mounes par rapport aux revendications qu'a dit. Ah, ok, mais parce que tu as parlé de l'impact. Parce qu'elle était réussie à un niveau très très élevé. L'impact continue à ce qu'il y a, est-ce que moi le fais. Pourtant, dernier, il n'y a pas de réussite du tout. Je viens d'y avoir. Qui a une grève réussie, major? C'est lorsque il y a des mounes qui décident de lancer appel grève là. Et qui gardent ces mounes. Il y a d'autres mounes, Peggy, qui d'accord, adhérent. Ça veut dire qu'ils disent, bon, revendication qui a passé là, je trouve là-dedans. Et m'a fait solidarité à mounes qui lancent. Donc, ce n'est pas pression, ce n'est pas barricade, c'est pour faire des réussites. C'est pas la peur, etc. Mais naturellement, depuis 2026, c'est comme ça le fait. Oui, mais quand il y a là, automatiquement, peur à installer, mounes n'ont pas sorti, ou pas de le sortir, Peggy. Mais quelque part, un matraquage qui était fait et qui arrivait à atteindre. Maintenant, qu'est-ce qui va passer la semaine d'après? Le gain des mouns qui décide de sortir, soit pour aller à l'école, soit pour aller au travail, ont peur qui envahit, il revient à l'État de faire l'arbitrage. Et vous savez, ça me dit arbitrage, ça me dit ça. Pendant que l'État a respecté le droit constitutionnel, moi-même, major, là, pour lancer grève, c'est même l'État ça qui suppose garantir. Qu'on a le rébut, que si lui-même lui décide de sortir libé, il y a possibilité pour le faire ça. Donc, quelque part, on reprise totale de contrôle situation, moi bien dit totale, qui vivait manifester à partir de lundi qui s'est écoulé là, et population lui certainement reprendre confiance dans la capacité, notamment police nationale là, pour garantir la paix des rues. Malgré que tu aies pile question qui t'est annoncé par rapport à pays, donc alors, je pile respect pour les gens qui sont en opposition, parce que quelque part, c'est la démocratie d'après. Les gens qui sont en opposition, c'est important pour qu'ils aient tiré la sonnette d'alarme. Toujours est-il, il faut que ça soit dans les limites prévues par la Constitution et les lois du pays. Ça, parce que moi, je gagne plus de modération dans l'entourage du chef du gouvernement par rapport aux interventions publiques qui se font. Que le bras entourage, président. Moi, pas vraiment. Ça veut dire, non, mais son constat. Allez-y. Ça veut dire, ou joindre des mounes du palais national, qui a diabolisé l'opposition tant que c'est diable. Qui était chaud. Oui, moi, etc. Pas. Mais au niveau de la primature, si m'a comprendre toute nuance que vous mettez dans l'approche ou entre sortir, vous sentez que, est-ce que son stratégie, je ne sais pas, mais pour le moins, nous avons plus compréhension, plus digestion de l'opposition, de l'acceptation de l'opposition, hein? J'en sorte fin de deal comme une structure qui est importante dans la démocratie, etc. Bon, nous ne pouvons pas chercher établi distinguo ça. Vous comprenez qui raison? Je dis à pas oublier, le maître mot, c'est le dialogue. Et dialogue là lui-même, c'est préalable, c'est le respect de l'autre. Faut que moi respecte Peggy comme monde qui est en face pour Peggy en situation pour le chita dialoguer ensemble. Il faut éviter d'irriter. Donc exactement. L'important pour que non pas nos logiques d'antagonisme, c'est-à-dire d'une part il y a la primature qui donne le ton et d'autre part non. Moi-même observation pam ben moi un chef de gouvernement et un chef l'État qui autant que faire se peut a goumen pour que yo continue à accorder violence et tout ceci dans l'intérêt du pays parce que mais constat, dans un premier temps, il y a des gens qui disent que, bon, Jovenel Moïse est un type envahissant, il est éclipsé primature, là, etc. Mais depuis environ deux semaines, on sentit un Jovenel Moïse qui a pris un certain recul, qui a essayé de permettre que le Premier ministre, là, comme chef de l'action gouvernementale, lui-même, au devant de la scène, au combat avec Pion. Son appel, avec M. Georges au départ, qui était intéressé. C'est aller au-delà de personnalisation question. Et je pense que aujourd'hui, il y a la maturité qui existait au niveau de pouvoir là globalement. C'est une maturité qui menait des décideurs d'État en voie ça. Au-delà de la personne du président de la République, au-delà de la personne du premier ministre ou bien des responsables d'État.
qui gagne obligation pour que Yoshita avec tout le monde, avec tout protagoniste qui sont échiqués politiques là, de telle sorte que nous attendons, nous sommes au minimum. Il y a des gens qui ont le pacte de gouvernabilité, il y a des gens qui ont la gouvernance inclusive. Mais l'idée, c'est arriver à évacuer tout problème politique chez Repitio pour que nous manions un vrai problème qui gagne à ouais. Avec un jeu socio-économique. Yo. Et pour cela, pas de quel sacrifice qui est vraiment qui trop grand, encore une fois, dans le respect, maman loi pays, dans le respect. Ah, pas moi, que l'on a vrai, pas non, pas de. Non, ma tête de monsieur, alors pour nous dire, pour nous dire. Monsieur Pichon, pas de. Pour nous dire, pour nous dire, c'est pas un pays. Merci, colonel. Bon, qui me dit, qui l'a. Il y a 28 ans, Anissa. Ouais, pour nous dire, pour nous dire, c'est pas un pays. Oui, j'ai 28 ans, pour la manière, ou langage politique. Avec une dextérité comme ça, nous mangeons bien soit le pays. Merci, colonel. Merci, Barreau. Ouais, ouais, c'est ça. Avec du temps. Bon, alors, monsieur, nous allons entrer dans une question fondamentale qui est la question pétro-caribéen. Et tout à l'heure, nous allons vous présenter un gouvernement côté COP pétro-caribéen. Nous allons parler de ça. Mais on fait un tour de table. Oui, oui, on fait un tour de table sur. Alors, 1er décembre, mes amis, quand même, aujourd'hui.